السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بجميع التلاميذ والتلميذات. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول تصحيح الجزء الأول من الامتحان الجهوي الموحد الخاص بجهة بني ملال خنيفرة، مادة علوم الحياة والأرض، إذا الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي إن شاء الله. Donc la partie 1 c'est la récession des connaissances. Donc l'exercice 1 il va demander, on a un document 1 représente un agrandissement au niveau de l'articulation du coude chez l'homme. Écrivez devant chaque chiffre le nom qui convient. Donc on a 4 noms ou bien 4 chiffres. Il va demander de donner de chaque numéro le nom correspondant. Donc on a l'os. Donc on a l'os. Donc le 1 c'est le tendon, le watar. Le 2 c'est le muscle. Et le 3 c'est vaisseau de fibres musculaires. Donc واحد الحزمه من الالياف العضليه. Et 4 c'est le fibre musculaire, هو الخليه العضليه او الليف العضلي. إذا كما ترون أن الامتحان جد سهل في فيما يخص الشق الأول la restitution des connaissances. Donc chaque nom a un 0,5 point. Donc l'exercice 2 complétez le tableau suivant. On a deux colonnes, on a le terme et on a la définition. Donc l'élasticité du muscle, elle va donner la définition. Par contre, elle donne dans la deuxième, on a donné la définition zone de contact entre une fibre nerveuse et les fibres musculaires qui commandent. Dans trois, on a les réflexes et l'unité fonctionnelle et structurelle des tissus nerveux. Donc, c'est très simple. L'élasticité, c'est la propriété qui permet au muscle de reprendre son état initial après sa contraction. Le terme, c'est la zone de contact entre une fibre et des fibres nerveuses et fibres musculaires, c'est la plaque motrice. Et les réflexes, c'est une activité motrice involontaire, automatique et prévisible en réponse à une stimulation particulière. Et l'unité fonctionnelle structurelle des tissus nerveux, c'est le neurone. Donc c'est très simple. Donc cet exercice a deux points. Donc à chaque terme à 0,5. Donc l'exercice 3, écrivez vrai au fond devant chaque proposition et corrigez les propositions fausses. Donc les levures se multiplient par sporulation, donc c'est faux, par bourgeonnement. Pour vivre les virus parasites obligatoires, les cellules vivantes. Donc c'est vrai. Tous les micro-organismes pathogènes agissent par sécrétion de toxines. Non, c'est faux. Donc seulement par exemple chez le bacille tétanique sécrète les toxines. La peau et les muqueuses représentent la première barrière naturelle contre les microbes. Donc c'est vrai. Donc vous voyez la correction devant la page. Donc c'est faux, les levures se multiplient par bourgeonnement. Donc c'est vrai la deuxième proposition. La troisième faux, il y a des micro-organismes qui agissent par sécrétion des toxines, comme Osayet Kazaz par exemple. Et la polymuqueuse représente la première barrière naturelle contre les microbes. Oui, c'est vrai. On a des barrières naturelles et des barrières. On va voir. Des barrières naturelles se divisent en deux, des barrières mécaniques. Donc la polymuqueuse.